Le marché parisien poursuit sa hausse à la mi-séance en progression de 0,3%. Et en tête du SBF 120, Dassault Systèmes s'envole de près de 7%, dopé par une très solide publication trimestrielle. Gros rebond également pour Nokia, porté par un bénéfice d'exploitation meilleur que prévu au titre de son quatrième trimestre. Et puis à noter le gros clash entre TF1 et Orange. Les deux groupes ne sont pas parvenus à s'entendre sur la diffusion des programmes. Côté baisse, à présent, on retrouve BIC qui plonge de plus de 9%, plombé par la prévision d'un nouveau recul de sa rentabilité en 2018. Notre gros plan sur EuropaCorp qui s'envole de 30%, impossible intérêt de Netflix fait flamber l'action en bourse. Selon le magazine américain Variety, Netflix aurait entamé des discussions avec Luc Besson à la fin 2017 concernant la production de films, mais depuis, le champ de ces discussions se serait élargi. Le magazine cite ainsi trois sources qui affirment que Netflix pourrait racheter le catalogue d'EuropaCorp. EuropaCorp, qui croule sous une lourde dette de l'ordre de 230 millions d'euros, avait confirmé récemment avoir entamé des discussions avec différents partenaires en vue d'un renforcement de ses capacités financières. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.